Voici les capitales africaines les plus sales. Désolé aujourd'hui, cette vidéo est plutôt spéciale. Voici les capitales africaines les plus sales. Désolé aujourd'hui, cette vidéo est plutôt spéciale. Car il n'y a pas longtemps de cela, le magazine Forbes établit le classement des pays les plus sales du monde. Et les pays africains qui sortent du lot sont les suivants. En cinquième position, nous avons la Tanzanie avec son ex-capitale Dar es Salaam, qui est un pays sujet à des épidémies de choléra dues à l'insalubrité. J'espère que les choses changeront dans le futur. En quatrième position, nous avons le Tchad avec sa capitale N'Djamena, dans laquelle il y a un phénomène d'insalubrité hors du commun dans les marchés qui cause de nombreuses maladies. On arrive au top 3 des côtes de l'insalubrité en Afrique. Mais avant ça, abonne-toi pour soutenir la chaîne, s'il te plaît. Fait, ok, on continue. En troisième position, nous avons le Congo avec sa capitale Brazzaville, qui est un pays que j'apprécie beaucoup et leur gouvernement a mis la salubrité au cœur de leur politique. Donc d'ici quelques années, les choses changeront. En seconde position, nous avons l'Éthiopie avec sa capitale Addis Abeba, qui est un pays rongé par la famine, même si depuis quelques années, il effectue un développement fulgurant. Donc j'espère dans quelques années que les choses changeront. Enfin, le pays avec la capitale la plus sale d'Afrique est le Madagascar avec sa capitale Antananarivo, qui a subi une épidémie de peste due à l'insalubrité et qui perd chaque année plus de 200 millions de dollars à cause de ce problème. Ainsi,